Alors, bah écoutez, donc, je voudrais attaquer sur cette histoire de profit en disant que le profit, c'est un truc dans lequel on baigne, ça je vous apprends rien, mais c'est justement parce qu'on baigne dedans qu'il y a des questions qu'on se pose pas très souvent. Alors le « on », évidemment, je fais un peu appel à l'imbécile de service, on sait pas bien qui c'est, j'imagine bien que dans cette salle, il y a plein de gens qui se sont déjà plein de fois posé cette question-là, mais dans les discussions qu'on peut avoir autour de nous, dans les médias, dans les choses comme ça, il arrive, dans le meilleur des cas, disons que les gens discutent du niveau du profit, en disant que quand même, ces actionnaires qui se goinfrent alors que la majorité de la population vit de plus en plus mal, il y a quand même un petit problème. Mais l'existence même d'un système basé sur le profit, d'où vient le truc du profit, c'est quand même pas quelque chose qu'on aborde très souvent. Et je dirais, pour ceux qui ne le savent pas, même, et je dirais presque surtout dans les études d'économie, où on apprend aux étudiants des tas de choses sauf ça. C'est un sujet sur lequel on glisse en général extrêmement rapidement, comme si c'était une question secondaire. Donc évidemment, quand on est un peu révolutionnaire ou ne serait-ce qu'un peu sensible aux inégalités, c'est une question qui devrait être au contraire au centre de tout. Alors pourquoi c'est une question bizarre ? Ben, parce que la production a quelque chose dans le même temps extrêmement simple et extrêmement naturel en tous les cas, qui ne pose aucune espèce de difficulté, et quelque chose dans l'économie capitaliste de très très particulier sur lequel justement on s'interroge rarement. Alors ce qu'elle a d'extrêmement simple, c'est que qu'est-ce que c'est que la production ? C'est, je prends une définition très large, c'est une transformation de matière. On prend des choses, alors d'accord, il y a des productions plus ou moins immatérielles, hein, les gens qui fabriquent des logiciels, les gens qui soignent d'autres gens, etc. Mais enfin, on va pas, bon, il y a un spécialiste en philosophie parmi nous, mais enfin, des trucs vraiment immatériels, il n'y en a pas. Hein, il y a des choses plus ou moins matérielles, mais dans tous les cas, on prend de la matière et puis on la range autrement. Parce que les besoins humains font que... voilà. Donc dans mon exemple, on prend une scie, de la colle, des clous, du bois, un peu de coton, etc. Et puis on fabrique des chaises. Voilà. Étant donné que c'est quand même plus agréable de s'asseoir sur une chaise que sur un tas de clous, de colle et de planches de bois. Donc tant qu'on en est là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de la production. Et cette définition-là, elle marche quelle que soit la société dont on parle. Ça décrit la production capitaliste, mais ça décrit très bien la production féodale, la production esclavagiste, la production des chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Il n'y a aucun problème, on prend de la matière, on la transforme. Ce qu'il y a de particulier dans l'économie capitaliste, c'est que cette définition-là se complète d'un autre phénomène. Et l'autre phénomène, il est étonnant, c'est que à ce qui rentre à un bout dans le machin, quoi, hein, voilà, correspond à une certaine somme d'argent, une valeur. Et puis ce qui sort à l'autre bout correspond à une autre somme d'argent plus grande. Et autant c'est facile de comprendre pourquoi la production est un changement de qualité, des planches, des clous, de la colle, etc. C'est pas la même chose qu'une chaise, ça il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, ni même Paris-Saint pour... voilà. Mais par contre, pourquoi ça se double d'un truc qui s'appelle l'argent et qui, au travers du processus grossit, ben c'est une question qu'on ne se pose pas souvent et qui, mine de rien, n'est pas si facile que ça à répondre. Alors, la production capitaliste, comment ça marche ? En réalité, quand on dit que la chaise vaut 50 euros, on comprend bien que dans la chaise, il y a deux aspects. Il y a le fait que, justement, pour la fabriquer, il a fallu prendre des clous, du bois, etc. Et que tout ça valait déjà, je reviens à la diapo d'avant, valait déjà une certaine somme d'argent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des productions à partir de zéro. On fait une production à partir de choses qui coûtent déjà, qui valent déjà une certaine somme d'argent. Mais ce qui sort, c'est plus gros. Donc, dans toute production capitaliste, il y a de la valeur qui rentre. Ce qu'on appelle aussi des intrants, j'ai pas relevé le mot, enfin ça c'est du jargon un peu de spécialiste, enfin voilà, c'est des trucs qui rentrent à un bout. Donc dans le cas de la chaise, eh ben, ça va être la colle, le bois, le machin, etc. Plus, je vais pas compliquer là, mais vous voyez bien qu'il va nous falloir des machines. Alors la machine, à la différence de la planche de bois, de la colle, etc., va pas être tout entière utilisée pour fabriquer une chaise. Donc tout va se passer comme si ma machine, qui fabriquait 1 million de chaises, ben finalement, il y avait 1 millionième de machine qui passait dans chaque chaise.
Alors, surtout, ce qui est important, c'est qu'au travers de ça, ben, il y a un phénomène qu'on appelle très couramment la valeur ajoutée. Alors ça, les marxistes parlent comme ça, mais il n'y a pas que. Hein. Tout le monde parle de valeur ajoutée dans l'économie, à tel point qu'on a même créé un impôt dessus, hein, ça s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Hein. Tout le monde sait, même les plus stupides des économistes bourgeois, que dans la production, il y a une certaine valeur qui rentre, et puis, par des voies qui nous restent à définir, il y a de la valeur qui se crée, c'est la valeur ajoutée, et que donc ça, on peut le taxer. Et quand on essaie de mesurer les richesses créées dans un pays au cours d'une année, évidemment, on évite de prendre en compte tout. Pourquoi ? Bah parce qu'évidemment, si je prends la valeur des planches, plus je l'ajoute comme ça sans rien faire à la valeur des chaises, j'aboutis à compter les planches deux fois. Une fois en tant que planche, et une fois en tant que planche qui sont rentrées dans la valeur des chaises. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut mesurer la richesse d'un pays dans un moment donné ? On essaye, toujours facile, mais enfin on essaye, de ne compter que les valeurs ajoutées. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'usine de planches ? On a ajouté tant de valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'usine de chaises ? On a ajouté tant de valeurs, etc. Et si on fait la somme des valeurs ajoutées, c'est la somme de la richesse nouvellement créée durant la période. Et voilà. Alors ça, c'est en théorie. En pratique, ça pose pas mal de problèmes. Et en particulier un problème, je vous parlais de la machine de tout à l'heure qui donnait un millionième de sa valeur, etc. Ben, ça, c'est super difficile à comptabiliser. Résultat des courses. J'en profite pour dire ça comme un au passage, mais quand on parle en général de la valeur ajoutée, on parle d'une valeur ajoutée un peu fausse, ce qui est la valeur ajoutée brute. Et quand on ajoute les valeurs ajoutées brutes, ça donne un produit intérieur, mais qui est un peu faux, parce que c'est un produit intérieur brut. Pourquoi on l'appelle brut ? Parce qu'on compte dedans, alors qu'on ne devrait pas. Justement, le millionième de machines qui s'est usé au travers de la période en question. Ça, en jargon comptable, ça s'appelle les amortissements. Et en toute rigueur, pour estimer la richesse nouvellement créée au cours d'une année, il faut déduire ce truc-là. Mais encore une fois, ça pose des tas de problèmes concrets. Voilà pourquoi les statistiques officielles de l'économie prennent en compte la valeur ajoutée brute, c'est-à-dire surestiment en fait la valeur réellement créée. Pour donner un ordre d'idée, je crois que les amortissements, c'est à peu près 15% du PNB. Donc quand on dit le PNB est de 1000 milliards, ça veut dire qu'en réalité, la vraie richesse nouvellement créée n'est que de 850 milliards. Il faudrait enlever les 15% en question. Alors, évidemment, nous, notre question cet après-midi, c'est d'où vient la valeur ajoutée ? D'où vient la valeur ? D'où vient la valeur ajoutée ? Alors, cette valeur ajoutée, c'est pas très compliqué, c'est compliqué de savoir d'où elle vient, c'est pas très compliqué de savoir où elle va. Elle sert à faire les revenus. Vous êtes des individus, on est une société pleine d'individus qui, a priori, chaque année, touchent des revenus. Et ben, on peut dire que les revenus de l'ensemble de la société se divisent en deux grands temps. D'un côté, les revenus du travail. Pour parler, on va parler à l'ancienne, parce que des fois, c'était plus clair que ce qu'on dit maintenant. Il y avait le revenu du travail et le revenu du capital. Le revenu du travail, ben, c'est le revenu de ceux qui touchent leur revenu parce qu'ils ont travaillé pendant la période considérée en échange. Et le revenu du capital, c'est pas compliqué, c'est tout le reste. Alors concrètement, ça prend plein de formes diverses et variées. Dans le revenu du capital, ben, il y a le profit proprement dit, mais il y a aussi les rentes, les loyers, tout ce qu'on appelle des fois les revenus de la propriété. Vous voyez, tout ça, c'est des formes de profit en réalité. J'en parlerai vite fait, mais le profit, ça se redécompose ensuite entre. Parce qu'il y a plein de. Il n'y a pas qu'un crocodile dans le marigot, hein, donc il faut rediviser tout ça pour que. En attendant, fondamentalement, la société capitaliste, elle marche comme ça. Il se crée en permanence de la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, elle sert à rémunérer d'un côté les salaires, de l'autre côté les profits. Et on y reviendra, mais l'idée fondamentale des marxistes, c'est que là, on tient le fond de l'affaire, de ce qui oppose justement, de ce qui structure la société, la bagarre entre les deux pour le partage de la valeur ajoutée. Alors, du point de vue des capitalistes, et d'un certain point de vue des marxistes aussi, hein, voilà, le profit, c'est un résidu. C'est ce qui reste. Alors, Marx n'a pas été le premier à dire ça. Il y a des économistes bourgeois, bien avant Marx, qui l'avaient dit. Quand vous êtes un capitaliste, le profit, c'est ce qui vous reste une fois que vous avez tout payé. Donc, vous, pour revenir à la diapo d'avant, hein,
vous vous en foutez un peu, pardon, de la valeur ajoutée en tant que telle, et des consommations intermédiaires, vous, la division qui vous intéresse, c'est l'argent qui vous reste par rapport à l'argent que vous avez dû débourser. Donc, a priori, quand on est un capitaliste, ce qu'on coupe dans la valeur ajoutée, ce qu'on donne sous forme de salaire, on le met avec les consommations intermédiaires. Tout ça, c'est, alors ça porte plein de noms, les avances, les dépenses, l'investissement, les frais, hein, et puis d'un autre côté, il y a... Évidemment, la question, une fois encore, je pilote, mais c'est pourquoi reste-t-il quelque chose plutôt que rien ? Question pas si simple que ça. Un argument tout bête pour montrer que la question n'est pas simple. Après tout, les capitalistes se font concurrence. Une des façons de se faire concurrence, c'est de baisser les prix. Voilà. Pourquoi est-ce que les prix ne baissent pas de telle façon que finalement le profit tende vers zéro et qu'on en vienne à peu près à vendre les marchandises à prix coûtant, parce qu'il y en aura toujours un plus malin que vous qui va vendre un petit peu moins cher, etc. C'est pas si facile que ça de répondre à cette objection, qui est manifestement fausse puisque c'est pas comme ça que ça se passe, mais voilà. Alors, avant d'attaquer les bonnes explications du profit, je vais quand même dire quelques mots de mauvaises explications, alors qui vont de très mauvaises à très très mauvaises, donc je vais commencer par les très 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 mauvaises, mais qui sont des explications qu'on lit, qui sont en même temps des explications de bon sens que les gens peuvent des fois sortir comme ça, mais qu'on lit sous des formes à peine modifiées dans des ouvrages très savants, avec des gens qui ont fait des très très belles carrières d'économistes en donnant des aspects compliqués autour de ces idées-là. Alors, la première version, c'est peut-être la plus simple de toutes, c'est que s'il y a du profit, c'est parce que les capitalistes vendent les objets plus cher que ce qu'ils les ont achetés. Vendent des marchandises plus chères que ce qu'elles leur ont coûté. Alors, c'est même pas que c'est faux, hein. C'est juste que c'est ce qu'on appelle une tautologie, c'est-à-dire que vous redites les choses d'une autre façon, mais vous expliquez rien. C'est comme si vous disiez pourquoi est-ce que les objets tombent ? Ben parce que quand on les lâche, ils finissent plus bas qu'ils étaient quand on les a lâchés. C'est pas faux, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup, beaucoup plus avancé. Alors, l'autre version, un peu plus élaborée, mais dont Marx se moquait déjà il y a 150 ans, c'est l'idée de dire les capitalistes, c'est des gros filous, jusque-là on est d'accord, mais donc ils se débrouillent pour vendre les choses plus chères que ce qu'elles valent et les acheter moins chères que ce qu'elles valent. Donc tout repose sur le vol et l'arnaque. Le problème, c'est qu'on voit bien que pour un capitaliste isolé, cette explication marche très bien, et effectivement, des filous qui peuvent acheter le bois à l'éclair à moitié prix et vous arrivez à revendre des chaises trois fois plus chères en disant que c'est du design et que voilà, etc. Mais expliquer l'ensemble du profit comme ça, ça coince un peu quand même, parce que ne serait-ce que le fric qui sera fait en volant le marchand de bois, c'est autant de fric que le marchand de bois ne se sera pas fait. Donc ça explique pourquoi l'un a gagné au détriment de l'autre, mais ça n'explique pas pourquoi l'ensemble des capitalistes arrivent à gagner des sous. Moralité, l'explication en disant les capitalistes sont des malins, etc., ils arrivent à se voler. Alors, encore une fois, tout ça est parfaitement vrai, mais si vous avez des pillards qui se volent les uns les autres, ça vous explique pourquoi certains pillards s'enrichissent, mais globalement, en se pillant, on ne fait pas augmenter le trésor. Hein, donc voilà, on fait juste changer de main. Donc, cette explication, out. Deuxième explication. Alors là, on rentre dans les explications qui ont leurs heures de gloire dans les études d'économie. Le profit rémunère le risque. Donc chacun sait que quand on fait un investissement, on n'est pas sûr que l'investissement, voilà, si ça se trouve, on peut tout perdre. Voilà. Donc c'est bien normal que les capitalistes touchent des sous. Alors, je n'ai pas l'intention de vous raconter ma vie dans les détails, mais il se trouve que je me déplace en vélo à Paris, et je fais à peu près 20 km par jour, donc j'ai tout à fait le sentiment de courir un certain nombre de risques, en particulier quand je traverse la place de la Bastille, et je ne me suis jamais enrichi. En tous les cas, pas comme ça. Il y a tous les jours dans le monde des millions, des milliards de travailleurs qui courent des risques physiques à exercer le boulot qu'ils font et qui laissent leur peau, il y a quand même, c'est notable, il y a plus d'accidents du travail que d'accidents d'actionnariat. Et pourtant, ces gens qui courent donc beaucoup de risques ne s'enrichissent pas. Donc, le risque à soi seul ne nous explique absolument pas d'où vient le profit.
On peut même faire remarquer que l'idée que le profit serait nécessairement dépendant du risque n'est pas aussi vrai que ça. Vous avez dû entendre parler des histoires, par exemple, enfin, je pense ça dans l'actualité, mais de partenariats public-privé, hein, où des entreprises privées signent des contrats avec l'État, où c'est marqué qu'en cas de non-fréquentation du stade, en cas de le dernier que j'ai vu passer, un truc sur les lignes SNCF, qu'il fallait qu'il y ait au moins 16 trains par jour, etc. Et s'il n'y avait pas 16 trains par jour, c'est l'État, voilà. Donc là, il y a du profit, il n'y a pas de risque, hein, donc on voit très bien. Alors, plus fondamentalement, vous voyez bien que c'est comme si on disait, le paysan, quand il sème, il prend le risque que ça ne donne pas de récolte. C'est vrai. Donc le risque explique pourquoi quand on plante une graine, ça donne un épi de blé. Non. Vous voyez, il y a un problème de logique. Out pour le risque. Et puis alors le dernier, bon j'avoue, j'ai une certaine tendresse pour le dernier, c'est un peu mon préféré. D'une part parce que c'est celui qu'on enseigne le plus dans les écoles d'économie, puis c'est celui que je trouve presque le plus drôle. Le profit rémunère l'abstinence. Alors l'abstinence, il n'y a pas de moi qui va s'appeler. L'abstinence, c'est voilà, des fois on trouve la renonciation à la consommation immédiate. Alors le raisonnement est très simple, hein, c'est voilà, vous avez un paysan, dans un premier temps, il va chercher de l'eau. Alors j'invente pas cet exemple, hein, c'est vraiment le premier mec qui a sorti cette théorie, c'est vraiment cet exemple-là qu'il a pris. Dans un premier temps, il va chercher de l'eau à 500 mètres de chez lui, et donc chaque fois qu'il en a besoin, il est obligé de se trimballer avec des seaux, etc. Et puis un jour, il comprend que c'est quand même plus simple de construire une canalisation, donc pendant des jours et des jours et des jours, il construit sa canalisation, et pendant tout ce temps-là, il a soif, hein, parce que voilà. Mais le jour où l'eau, elle coule, alors là, tranquille, il en a plein, etc. Et donc, il y a, dans le processus, disons, de mécanisation de la production qui est caractéristique du capitalisme, il y a le fait que des gens se sont privés, ont économisé, et que c'est ça qui fait qu'ensuite, il y a plus de production, et que du coup, ça leur revient sous forme de profit. Alors, il y a évidemment 12 fautes logiques par mot dans ce raisonnement. Le plus évident étant que vous voyez bien, quand même, quand on voit, alors j'ai donné le chiffre dans le bouquin, mais je m'en souviens plus, Liliane Bettencourt, je crois que ses revenus sont je ne sais plus si c'est 50 millions par jour, 50 millions par heure, 50 milliards par mois, enfin, je sais qu'il y a un 50, mais je ne sais plus où. Et de nous expliquer que si elle gagne beaucoup, c'est parce qu'elle s'abstient énormément, vu, bah oui, c'est la logique, vu qu'elle pourrait dépenser tout ce qu'elle gagne et ne pas du tout économiser ce qui lui rapporte, etc., on voit que ça a quand même un petit peu du mal à passer, et que là c'est pareil, il y a quand même des milliards de salariés dans le monde qui eux s'abstiennent tous les jours de plein de trucs, sans que pour autant ça rapporte quoi que ce soit. Et là encore, on peut rapprocher ça de notre paysan, de mon paysan de tout à l'heure. Évidemment que le grain qu'on plante, c'est du grain qu'on ne mange pas. Hein, et d'une certaine façon, on peut dire qu'à ce niveau-là, il faut renoncer à manger le grain tout de suite pour le planter et le récolter ensuite. Mais vous faites rire quand même n'importe quel agronome si vous expliquez que c'est parce que le paysan s'est privé de quelque chose que le blé pousse dans les champs. Donc là aussi, il y a un problème de logique. Alors, on va maintenant explorer les bonnes solutions, assez rites quand même, voilà. En revenant au problème qui a taraudé toute l'histoire de la pensée économique, disons depuis le XVIe siècle, hein, en gros, on a dit, voilà, c'est quoi la question à résoudre finalement? La question à résoudre, c'est que la production est faite avec des choses qui n'ont pas la même tête les unes que les autres, qui sont qualitativement différentes. Et alors, nous, on dirait aujourd'hui, la production, en gros, c'est du capital et du travail, hein, c'est des machines, des bâtiments, des choses comme ça, plus des gens qui bossent dessus. Et alors, comme à l'époque, évidemment, l'économie était encore très largement agricole, hein, les gens rajoutaient la terre dans l'équation. Et donc, pendant 2-3 siècles, on s'est creusé la tête pour savoir comment on pouvait passer de l'idée qu'il y avait de la terre, du capital, du travail, et que c'est ça qui donnait de la production et de la valeur ajoutée, sachant que là-dedans, il devait y avoir des choses qui créaient de la valeur, mais pourquoi, comment, dans quelle proportion, etc. Ouais. Alors ce qu'on voit bien dans ce truc-là, j'espère, en tous les cas, c'est que ça veut dire que derrière tout ça, l'argent, ça mesure une quantité. Quand vous avez des euros, vous exprimez un chiffre. Donc ça veut dire que derrière les différences qualitatives entre la terre, le capital, le travail, etc., il y a une quantité commune, il y a quelque chose, il y a une substance commune qui se mesure et qui sert à faire de la valeur ajoutée. Donc question évidemment, quelle est cette substance commune?
Alors, relativement rapidement, il y a des gens qui ont eu des idées. La première idée, ça a été de se dire, il faut qu'on arrive... Enfin, vous voyez, c'est un peu comme quand dans les petites classes, on fait une addition avec des fractions, il faut trouver le dénominateur commun, il faut trouver le truc. Alors, les gens ont assez rapidement remarqué que, en réalité, ce qu'on appelle le capital, c'est-à-dire les biens de production, les machines, les usines, etc. Qu'est-ce que c'est que le capital ? Bah, c'est du travail, sauf que ce n'est pas du travail qui est fait là maintenant, c'est du travail qui a été fait dans le passé. J'ai mis dans le bouquin la reproduction d'une bande dessinée d'un auteur américain où il y a un patron comme ça qui explique que s'il a le droit de prélever du profit sur ses ouvriers, c'est parce que lui, il possède les machines. Et le gars qui lui dit, mais les machines, qui c'est qui les a fabriquées ? C'est les ouvriers. Et il dit, il pourrait vous entendre, fin de la discussion. Mais c'est très exactement ça. Très rapidement, les économistes se sont rendus compte que le capital, ça n'est jamais que du travail qui a été effectué à une période passée. Et un économiste que Marx admirait beaucoup, bien qu'il... C'était un économiste qui n'avait absolument rien de socialiste et qui était au contraire, on peut dire, un pro-capitaliste, mais un pro-capitaliste avec une pensée scientifique, qui s'appelait Ricardo, David Ricardo, alors, qui vivait, en gros, pour vous situer, c'est l'époque des guerres napoléoniennes. Hein, donc vous voyez, c'est, disons, une cinquantaine d'années avant Marx. Et Ricardo, j'en reparlerai, mais avait fondé tout son raisonnement en disant ça. Ça ne le gênait absolument pas de dire que le capital, c'était du travail passé et qu'il fallait le considérer comme tel. Alors là, les gens ont été un peu embêtés. Qu'est-ce qu'on fait de la terre ? Alors, il y a eu des solutions ingénieuses qui ont été trouvées. Il y a eu des gens au XVIIe siècle qui ont dit, ben, finalement, tout ça, c'est de la terre. Alors c'est marrant parce que c'est des raisonnements très anciens qui évoque des raisonnements qu'on fait maintenant dans d'autres contextes. Vous voyez, vous ramenez le travail à de la terre. Pourquoi ? Parce qu'il faut une certaine surface de terre pour nourrir chaque travailleur. Donc, vous voyez, c'est le copier-coller de l'empreinte écologique il y a 400 ans. Hein. Donc vous dites, finalement, au lieu d'avoir de la terre, du travail et du travail, en fait j'ai de la terre et de la terre, puisque je peux ramener chaque travailleur à la surface de terre qu'il faut pour le nourrir, et donc ce qui fait la valeur ajoutée, c'est la terre. Alors c'était une tentative ingénieuse, mais qui rencontre un certain nombre d'objections et qui n'a pas été retenue. Et en fait, l'avancée décisive, elle va être faite avec Ricardo, justement. Et Ricardo dit, non, non, mais attendez, la Terre, on ne va pas essayer de comprendre en quoi la Terre, c'est du travail. La Terre, elle a juste rien à foutre là. Et pourquoi elle a rien à foutre là ? Parce qu'elle n'est pas produite. Et finalement, le gars qui possède de la Terre, il ne crée pas de la valeur ajoutée. Il se donne juste le droit de piquer une part de ce que les autres créent. Vous voyez, c'est comme celui qui se met à l'entrée d'un pont avec un flingue en disant « à partir de maintenant, tous ceux qui passent me donneront une certaine somme ». Il ne crée pas de la valeur ajoutée, mais il est en situation d'en prendre de la part de ceux qui en créent. Et bien, Ricardo disait « les propriétaires fonciers, c'est exactement ça, et donc on peut les virer de l'équation, il n'y a aucun problème ». Une fois que vous avez viré la terre, et une fois que vous avez dit que le capital, c'était du travail passé, et ben vous obtenez un truc qui est connu dans l'histoire de la pensée économique, et que Marx reprend, je dirais pas tel quel, mais enfin, quasiment, ça s'appelle la théorie de la valeur travail. L'idée que la valeur ajoutée, ça vient du travail. Et que donc, devant ce machin apparemment très compliqué, très bizarre, avec de la terre, du capital et du travail, ben quand on raisonne comme il faut, on s'aperçoit que derrière, il n'y a que du travail, et que quand on s'échange des biens qui ont un prix, le prix, en réalité, fixe des rapports entre les travailleurs. Simplement, les travailleurs ne rentrent pas en rapport directement les uns avec les autres, ils rentrent en rapport au travers de marchandises qui s'échangent dans différentes proportions. Alors, je résume la situation. Nous avons trois conclusions et encore une question à laquelle il faut répondre. Première affirmation, la valeur, donc, c'est du travail, et j'ajoute, ce n'est rien que du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée qui se crée par d'autres moyens que du travail. Après, on verra que ça paraît des fois plus compliqué, parce qu'il y a moyen de capter du travail. J'ai cité mon propriétaire foncier, par exemple, avec son revolver devant le pont. Il ne crée pas de valeur ajoutée, mais il a moyen d'en ramasser. Deuxième conclusion. Le capital, et ça c'est une conclusion qui choque le bon sens, le capital, ça ne crée pas de valeur. Les machines, ça ne crée pas de valeur. Alors, pour une raison, on peut dire ça en même temps très simple et très compliquée, eh bien,
Si on suppose que justement la valeur ajoutée ne vient pas du fait que les capitalistes arrivent à revendre plus cher des trucs qu'ils ont achetés moins cher, étant donné que les machines, les planches, la colle, le bois, etc., j'ai supposé qu'ils l'avaient acheté au prix que ça valait quand ils ont fait leurs investissements, bah, quand ils le revendent sous forme de chaise, eh ben, ils le revendent le prix que ça vaut. Et entre-temps, ça ne fait pas des petits par l'opération du Saint-Esprit. Donc, une planche de bois que j'ai achetée 10 euros, quand je la revends sous forme de chaise, elle vaut toujours 10 euros, et la planche de bois ne crée pas de valeur ajoutée. Donc, le capital, c'est du travail qui transmet de sa valeur, c'est du travail qui s'incarne dans des objets qui sont à leur tour utilisés pour fabriquer d'autres objets, etc. Et au cours de ça, il y a de la valeur qui se transmet, mais il n'y a pas de valeur ajoutée par le capital. Et c'était un économiste bourgeois qui disait ça. Depuis, ils ont changé d'avis. Je dirais pourquoi. Vous devinez facilement pourquoi, mais voilà. Enfin, le travail ajouté au cours d'une période donnée, ben, c'est ça qui fait la valeur ajoutée. Voilà, il n'y a pas. Quelque part, c'est très simple. Si la chaise vaut plus cher que le petit bout de machine, les planches, le clou, etc., qu'on servait à la fabriquer, c'est parce qu'il y a des gens qui, entre-temps, ont ajouté du travail, parce que les planches, les clous, etc., ne se transforment pas spontanément en chaise. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent de leur temps et de leur énergie pour que ça se fasse, et c'est ça qui fait la valeur ajoutée. Alors, avec tout ça, on a quand même bien avancé. Bon, là, on a fait, je dirais 300 ans, mais en réalité presque 2000, parce que déjà Aristote s'était posé ces problèmes-là dans l'Antiquité. Donc vous voyez, bon, il y a eu un grand trou quand même entre les deux, mais enfin, c'est des problèmes qui ont été repris à la Renaissance. Enfin voilà, on a fait en 20 minutes, on a résumé quelques siècles de torture mentale sur la pensée économique. Cela dit, là on en est à Ricardo, et il nous reste toujours une question pendante. On a expliqué la valeur ajoutée, et je vous dis, Marx ne change quasiment rien aux explications de Ricardo sur la valeur ajoutée. Par contre, il y a une question incompréhensible, c'est pourquoi le profit existe. Parce que je rappelle que dans la valeur ajoutée, il y a deux morceaux. Un morceau qui part sous forme de salaire et un morceau qui reste sous forme de profit. J'ai expliqué d'où vient la valeur ajoutée. Yes, ça c'est bon. Mais pourquoi est-ce que le bout qui part sous forme de salaire est plus petit que la valeur ajoutée? Pourquoi il reste du profit? Et non seulement Ricardo n'avait pas de réponse, mais il était bien embêté. Parce que la seule réponse qu'il y avait à son époque, c'était de dire, finalement, le capitaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il achète le droit de disposer de la terre, il achète des biens de production, la planche, les clous, etc., et il achète du travail. Et il revend ça à sa valeur. Ok. Sauf que si vous achetez le travail à sa valeur et que vous le revendez à sa valeur, où est la différence? D'où vient la différence? Et c'est incompréhensible. Et Ricardo butait là-dessus et finalement n'expliquait pas le profit. Alors, il butait oui et non parce qu'en fait, il s'en foutait un peu d'expliquer le profit, c'était pas tellement son problème. Lui, son problème, c'était plus de faire la guerre aux propriétaires fonciers et à la politique qu'il réclamait. Voilà. Mais les gens qui s'étaient interrogés sur la pensée de Ricardo, et Marx en particulier, ont tout de suite vu que c'était là qu'il y avait vraiment, il y avait un truc qui coinçait. Alors, la réponse de Marx, donc on peut dire un des grands apports, je ne sais pas si on peut dire que c'est le principal, ou le, enfin bon, bref, enfin tous les cas, Marx considérait lui-même que c'était un grand apport, c'était d'avoir trouvé la solution à cette question, qui comme souvent en science est en même temps très compliquée et en même temps toute bête une fois qu'on l'a trouvé, mais c'est une fois qu'on l'a trouvé que c'est tout bête, mais avant, voilà. C'est quoi de dire? C'est l'idée tout simplement de dire, si on part de l'idée que le salaire rémunère le travail, on s'en sortira jamais, c'est insoluble, et le profit, on ne sait pas d'où il tombe. Donc le salaire, ça ne paye pas le travail. Et effectivement, quand on y réfléchit, une fois dit comme ça, quand un patron, employeur paye un salarié, il ne paye pas son travail au sens le travail qu'il a effectué. Il paye le fait de disposer du salarié pendant un certain temps. Alors ça peut paraître des subtilités étranges, mais en réalité c'est une petite subtilité qui change tout, à savoir que mon travailleur qui reçoit donc un salaire donné, et ben pendant une certaine partie de sa journée, dit Marx, alors c'est comment dire, le raisonnement en morceaux de journée, ben, j'imagine que beaucoup ici le connaissent. C'est un raisonnement pédagogique. Hein. Il va de soi que la vraie journée des vrais salariés,
et pas coupé en deux comme ça. Enfin, vous voyez, c'est comme les gens qui vous parlent du jour de libération fiscale ou du jour de, où on a dépassé les capacités de la Terre. Vous voyez, ils vous disent le 23 août à 14h, ça y est, on commence à bosser plus que pour l'État ou l'inverse, enfin, je ne sais plus, etc. Bon, c'est une façon pédagogique de présenter le truc. Il va de soi que dans la réalité, il n'y a pas deux morceaux séparés. Bon. Toujours est-il que l'idée de Marx, c'est de dire. Pendant une partie de sa journée de travail, le salarié, ben, vu qu'il travaille, il crée de la valeur, il ajoute de la valeur, et cette valeur vient compenser le salaire qu'il a reçu. Donc, arrivé à un moment donné, on peut dire il y a échange, égal, enfin équivalent, le salarié a remboursé sous forme de travail très exactement le montant du salaire qu'il a reçu de son employeur. Oui, mais, et tout le truc est là, évidemment, un salarié, c'est capable de travailler plus longtemps que l'équivalent, que le temps nécessaire pour les biens qui vont servir à sa consommation. Alors, je vais un peu vite, parce que j'imagine encore une fois que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette musique-là. Marx dit qu'il y a toute une partie de la journée où le salarié travaille en plus par rapport au salaire. Il crée de la valeur qui n'est pas rémunérée par le salaire. Marx appelle ça du mot qui a été traduit peut-être de manière un peu malheureuse par plus-value. Je dis malheureux parce que la plus-value, vous voyez, quand vous achetez une maison pas très chère et que vous la revendez plus chère ensuite, ça s'appelle aussi une plus-value alors que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Donc c'est, voilà. Il y en a qui ont dit, ah oui, il faudrait mieux appeler ça sur-valeur, mais trop tard, plus-value s'était imposée. Enfin bon, bref. Toujours est-il que la plus-value, c'est donc l'équivalent en argent de ce temps que le salarié va continuer à travailler, alors que ça ne couvre plus son salaire. Et ce qui est formidable dans cette affaire-là, c'est que c'est un vol organisé sans que ce soit du vol. Je ne sais pas comment dire, le machin est bizarre parce qu'il est une chose et son contraire en même temps. C'est du vol, évidemment, dans la mesure où, ben, quand vous êtes salarié, vous travaillez encore une fois toute une partie du temps qui ne vous est pas payé sous forme de salaire. Mais ce n'est pas du vol parce que là-dedans, chacun a payé les choses ce qu'elle valait. Et Marx insiste beaucoup là-dessus, c'est pas une truande individuelle du patron. Alors, encore une fois, ça existe aussi, hein, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des patrons qui essayent en plus de vous truander. Mais le raisonnement de Marx, c'est même si on admet un monde où les patrons sont absolument aimables, gentils, altruistes, je sais, il faut faire un petit effort, mais voilà, et où ils payent les gens sans rechigner, sans essayer de les entuber, etc., très exactement ce qu'ils valent sur le marché, eh bien, l'être humain, la force de travail humaine, vaut sur le marché moins cher que ce qu'elle est capable de produire quand on la fait marcher. Voilà. Et c'est ça qui explique que l'exploitation, ça existe depuis bien avant le capitalisme. Hein, un paysan égyptien produisait plus dans sa journée que ce qu'il recevait sous forme de vêtements et de nourriture, et c'est grâce à ça qu'on pouvait entretenir des gens à rien foutre. Et de ce point de vue-là, le capitalisme n'a absolument rien. Il a innové sur la façon de faire, mais il n'a pas innové sur le fond de la chose. Alors, avec tout ça, le temps passe, mais je suis à peu près dans mes clous. Donc tout va bien. Quatre conclusions provisoires. Le profit vient donc fondamentalement de l'exploitation du travail salarié. C'est-à-dire que on s'approprie un travail effectué gratuitement, ce que j'ai essayé d'expliquer là. Cette exploitation ne procède pas d'une contrainte extra-économique, c'est-à-dire que c'est ça aussi une marque distinctive du capitalisme. Marx insiste beaucoup là-dessus en disant que dans les systèmes précédents, l'exploitation, ça se voyait. Ça se voyait, ça se sentait, ça se disait. Alors, on trouvait tout un tas d'excuses et de justifications, mais ça serait venu à l'idée de personne de dire que les seigneurs féodaux ne vivaient pas sur le dos des paysans, vous voyez, ou que les propriétaires esclavagistes ne vivaient pas sur le dos de leurs esclaves. Pourquoi ? Bah parce que c'était par la force qu'on disait, bah, toi, tu vas bosser pour moi et tu vas m'abandonner la moitié de ce que tu produis, etc. Dans le système, c'est la beauté, entre guillemets, du système capitaliste, la force n'intervient pas, en tous les cas, pas de manière directe, immédiate. Les gens décident librement, entre guillemets, d'aller se faire exploiter. Si vous ne voulez pas aller vous faire exploiter, vous avez le droit de mourir de faim, il n'y a aucun problème. Ah oui, mais tout le monde n'a pas toujours eu ce droit-là. Voilà. Et donc, dans le système capitaliste, tout ça semble procéder d'une liberté, alors qu'évidemment, une liberté factice, mais
qui a un côté réel quand même, hein, on oblige a priori, enfin, il y a des fois des formes de capitalisme plus autoritaires, mais disons dans le capitalisme idéal, on n'oblige pas les gens à être exploités, ça se fait entre guillemets tout seul par des voies économiques. Et alors justement, ces voies économiques sont quand même beaucoup, pour beaucoup, des voies cachées. C'est-à-dire que le salaire n'a pas l'air d'être ce qu'il est. Si le salaire avait été ce qu'il est, c'est-à-dire le prix de la force de travail, de la capacité de travail, et pas le prix du travail, on n'aurait pas attendu Marx pour s'en rendre compte. Dès le début, les économistes auraient dit « Ah bah tiens, il y a un nouveau truc, ça s'appelle le salaire, c'est un truc par lequel les propriétaires, enfin ceux qui possèdent des salariés s'enrichissent sur le dos de leurs salariés, parce qu'il y a du travail gratuit, à l'être. » Mais il a fallu des siècles de gens qui se creusent la tête pour arriver, et Marx, ça lui est pas venu tout seul, pour arriver à se rendre compte que le prix, le salaire, c'est pas le prix du travail, c'est le prix de la capacité de travail. Parce qu'encore une fois, c'est une forme menteuse. Alors il y a un vieux proverbe qui dit que, d'une façon générale, si les choses étaient ce qu'elles sont, il n'y aurait pas besoin de faire de la science. Étaient ce qu'elles apparaissent, il n'y aurait pas besoin de faire de la science. C'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour la physique, etc. Les apparences sont trompeuses. Et donc, le capitalisme a comme caractéristique d'avoir une apparence trompeuse, le salaire, où y compris les salariés pensent, d'ailleurs c'est comme ça qu'on parle, on dit ben, « je suis rémunéré pour mes heures de travail ». Donc, quand vous touchez votre salaire de 1 500 €, c'est pour les 169 heures que... voilà. Et c'est formulé comme ça, on a l'impression que c'est comme ça. Et il faut tout un raisonnement pour piger qu'en réalité, quand vous travaillez 169 heures, vous produisez pour bien plus de 1 500 €. Et que, donc, quand on vous donne 1 500 €, on ne vous paye pas les 169 heures que vous travaillez, on vous en paye moins. Et ça, c'est écrit nulle part, et voilà. Alors, dernière conclusion, mais ce n'est pas la moins importante, on ne peut mettre fin à tout ça qu'en abolissant le salariat. Et ça, c'était une conclusion sur laquelle Marx insistait beaucoup. C'est le système qui est fait comme ça. Évidemment, on peut se battre pour des augmentations de salaire, et il n'est pas question de dire on s'en fout, enfin je sais qu'il y a des marxistes qui disent on s'en fout de se battre pour des augmentations de salaire, c'est des hochets, c'est des pièges à cons, ce qu'il faut c'est abolir le salariat. Bon, il y a 1% de vrai et 99% de faux là-dedans. Hein. Il y a 1% de vrai parce que ce qui est vrai c'est que tant qu'on n'abolit pas le système où des gens sont obligés de vendre leur capacité de travail face à d'autres qui, eux, possèdent les moyens de production, eh ben, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer, et ceux qui possèdent les moyens de production seront en situation d'exploiter les autres. Marx expliquait même comment dire, il y a des mécanismes. Dans les périodes où les salariés, par exemple, quand il y a le plein emploi, et où les salariés sont en bonne position pour obtenir des augmentations de salaire, eh ben, au bout d'un moment, ça peut peser suffisamment sur les profits pour que, du coup, il y a une crise économique, que du coup les entreprises licencient, et que du coup ça rétablisse la situation où les salariés sont à nouveau dans un rapport de force défavorable et on va pouvoir rebaisser les salaires. Le système ne peut pas, enfin, il peut y avoir des doux rêves de gens qui se disent on va petit à petit euthanasier les capitalistes, hein, ça va se faire sans douleur, c'est sans douleur, comme on dit dans un film célèbre, hein, ils se rendront compte de rien, on va augmenter les salaires petit à petit, et puis hop, 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 et puis un jour, voilà, bah non, ça ne peut pas marcher comme ça. En admettant même qu'on arrive à augmenter les salaires petit à petit, ce qui pour l'instant, si on arrivait déjà à ce qui ne baisse pas, on n'y est pas, mais même en augmentant les salaires petit à petit, si on ne touche pas au fondement même du système, les capitalistes gardent la main, et ne serait-ce qu'en foutant les gens à la porte, la possibilité de rétablir un rapport de force qui leur est favorable. Donc voilà pourquoi il ne s'agit pas évidemment de s'opposer aux réformes, mais de s'opposer aux augmentations de salaire, et évidemment que les travailleurs, ils vont pas commencer par se battre tout de suite pour abolir le salariat, mais s'il n'y a pas des gens qui ont pigé que augmenter les salaires en soi, ça ne pouvait, ça ne devait être qu'une étape et que ça ne règle pas le problème définitivement, on est dans un cercle vicieux qui se reproduit. Voilà. Alors, il faut que je dise maintenant quelques mots quand même d'une autre théorie qui s'est opposée. Alors, j'avais pas insisté, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, il y a un petit mot qui m'a échappé. Ah, ouais.
je n'avais pas insisté sur le fait que tout ce que j'ai présenté là, la réduction du capital au travail, etc., c'était ce qu'on appelle généralement une théorie objective de la valeur. C'est-à-dire que tous ces gens-là, Marx étant, disons, le dernier de la lignée, mais il y en a eu des dizaines avant lui, essayer d'expliquer le phénomène de la valeur ajoutée par des questions, par des phénomènes objectifs, par des choses qui se passent indépendamment de l'opinion que les gens peuvent en avoir à un moment donné. Et si on retient la théorie de la valeur travail, qui est en fait la seule théorie objective de la valeur qui soit satisfaisante, hein, qui soit arrivée au bout, on a une théorie qui explique la valeur par la productivité, en réalité. Quand la productivité double, la valeur diminue de moitié, etc. Et donc, on a une explication de la valeur par les conditions techniques de la production. Et c'est... voilà. Alors, attention, c'est ça qui explique la valeur, c'est pas ça qui explique ensuite son partage entre salaire et profit. La valeur ajoutée s'explique par des données techniques, le partage entre salaire et profit s'explique par des coûts sur la tronche et des rapports de force. Il n'y a aucune espèce de règle économique qui dirait que... voilà. Alors, évidemment, parallèlement à ce courant qui a recherché une explication objective, de la valeur, il y a donc un courant qui a voulu trouver une théorie subjective de la valeur. Alors, c'est du vocabulaire un peu philosophique, mais ça veut dire qu'il y a tout un tas de gens, et là aussi ça remonte très loin, ça remonte au moins au XVIIIe siècle, et en réalité ce qui est vraiment amusant, c'est pas le mot, mais frappant dans cette affaire-là, c'est que je vous ai dit, le premier qui s'était posé ces questions-là de la valeur, qu'est-ce qui fait qu'une paire de chaussures, ça vaut trois fois moins qu'une hache de métal, et qu'est-ce qui fait qu'une maison, ça vaut 15 fois plus, etc. C'est Aristote. Et Aristote, dans la même... enfin, il y a un passage où il discute de ça, et dans le même passage, il esquisse les deux théories de la valeur. Et il part sur la théorie objective, et dans la phrase d'après, il revient sur la théorie subjective, et finalement, on peut dire que pendant 2000 ans ensuite, les gens n'ont fait que creuser les deux sillons que un gars comme Aristote avait entre eux. Alors, toujours est-il que la théorie subjective de la valeur, ça veut dire qu'on va expliquer la valeur ajoutée, non pas par des phénomènes réels qui se situent donc en dehors de l'opinion que les gens peuvent en avoir, mais par ça. Donc ce qui explique la valeur ajoutée, c'est ce que nous avons tous dans la tronche, c'est nos opinions, nos sentiments, etc., etc. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'une voiture, ça vaut cher ? Ben parce que les gens estiment beaucoup les voitures et sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour s'en acheter une. Pourquoi est-ce qu'un carambar ça vaut pas cher? Bon, parce que les gens trouvent qu'un carambar ça vaut quand même pas le prix d'une voiture et sont pas mal. Alors là je vous en donne la substantifique moelle. Évidemment c'est un peu plus compliqué que ça. On rajoute là-dessus des histoires de rareté en disant parce que vous voyez cet argument là par exemple il y avait un économiste du 18e siècle qui se foutait déjà de sa gueule en disant je suis désolé mais les diamants c'est quand même pas très très utile et pourtant ça vaut très cher alors que l'eau c'est quand même sacrément indispensable à la vie et ça vaut pas cher donc les autres ont répondu voilà, en disant notamment qu'il y avait des problèmes de rareté. Alors ça vaut le coup peut-être de s'arrêter deux minutes là-dessus parce que l'argument de la rareté quand on y réfléchit bien, il marche pas du tout. Il y a deux sortes en fait de rareté. Il y a des choses qui sont rares parce qu'on n'en produit pas beaucoup. Mais il suffirait qu'on le décide, on en produirait plus. Bon, moi je suis un peu guitariste à mes heures perdues. Il se fabrique beaucoup plus de guitares pour droitier que de guitares pour gaucher. Donc, un économiste partisan de la théorie subjective de la valeur nous parlerait de la rareté des guitares pour gaucher. Enfin, vous voyez que c'est quand même pas très compliqué. Il suffirait qu'il y ait plus de gauchers dans la population et les guitares pour droitier deviendraient plus rares, les guitares pour gaucher deviendraient moins rares. Et voilà, on ne peut rien expliquer avec ça. Cette rareté-là, ce n'est pas une cause des phénomènes économiques, c'est une conséquence des décisions. Alors, par contre, il y a une autre sorte de rareté, ce qu'on pourrait appeler justement une rareté objective. Il y a, objectivement, moins de diamants dans la croûte terrestre que de charbon. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement, la rareté du diamant explique en partie pourquoi le diamant, ça vaut plus cher que le charbon. Mais vous voyez bien que cette rareté-là,
elle se traduit très bien en termes de travail nécessaire, ce qu'on a dit avant, pour aller chercher du diamant et du charbon. Il y a effectivement, le diamant vaut plus cher que le charbon, parce qu'il est rare, plus exactement, parce que ça demande beaucoup plus de travail pour aller chercher un kilo de diamant que de travail pour aller chercher un kilo de charbon. Et donc la rareté, vous voyez, elle se dissout en deux trucs qui, voilà. D'un côté, en fait, c'est de la valeur travail dite avec d'autres mots, et de l'autre côté, ça décrit juste des phénomènes qui sont en réalité des conséquences des décisions économiques et qui ne sont pas des causes. Alors, toujours est-il qu'avec... Oui, je suis là, ouais, mais c'est bon, je suis dans le micro. Alors, toujours est-il que, avec mon affaire de théorie subjective de la valeur, je dis donc que ce qui fait les prix, les valeurs, etc., bah, c'est l'opinion que les gens ont et le besoin qu'ils ressentent de telle chose, etc. Et le mot magique, ça va être le mot d'utilité. Donc, pourquoi est-ce qu'on emploie de la terre pour produire ? Parce que la terre est utile, et donc la terre apporte son utilité à la production. Pourquoi est-ce qu'on emploie des machines ? Parce que les machines sont utiles, elles apportent leur utilité, le travail lui aussi est utile, tout le monde est utile, et vous voyez comment les autres avaient dit, la quantité commune qui se cache derrière la production, c'est le travail, expliquer comment, et bien nos économistes partisans de la théorie subjectiviste nous disent, la quantité commune qui se cache derrière la production, c'est l'utilité. Produire, c'est ajouter de l'utilité aux choses, et pour ça, tous les facteurs de production contribuent à ajouter de l'utilité. Alors ce qui va être très beau, c'est que jusque-là, on se dit, bon, pourquoi pas, mais évidemment, les choses vont se préciser, c'est qu'ensuite, étape suivante, on dit, bah, vu que tous les facteurs de production sont utiles, c'est bien normal qu'ils soient tous rémunérés, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que le marché capitaliste ? C'est quelque chose où on va échanger des utilités, puisque je vous dis que la valeur des biens est déterminée par leur utilité telle qu'elle est appréciée par les gens. Donc, de la même façon que les gens sont prêts à payer un carambar ou une voiture à des prix différents parce qu'ils sont différemment utiles, et bien les capitalistes sont prêts à payer une location de terre, des machines ou des travailleurs à des prix différents parce qu'ils sont différemment utiles. Donc, le prix de la terre, qui s'appelle la rente, rémunère l'utilité que la terre apporte à la production. Le prix du capital, qui s'appelle le profit, rémunère l'utilité du capital. Et le prix du travailleur, qui s'appelle le salaire, rémunère l'utilité du salaire. Donc, résultat des courses, si les travailleurs ne gagnent pas beaucoup, c'est la faute à personne, c'est parce qu'ils ne sont pas assez utiles. Il suffirait qu'ils se débrouillent pour l'être un peu plus en étant plus productifs et automatiquement leur salaire monterait, etc. Je ne me suis pas amusé à mettre des citations d'économistes et tout ça, mais je vous jure qu'il n'y en a pas. Alors, la théorie subjective de la valeur, donc, dit que le marché va payer chaque facteur de production en fonction de la valeur qu'il crée. Encore une fois, c'est-à-dire de l'utilité qu'il apporte. La rente rémunère la terre, le profit rémunère le capital, le salaire rémunère le travail. Conclusion importante et qui explique évidemment le grand succès de cette théorie, en particulier à partir de la fin du 19e siècle, quand la théorie de la valeur travail a commencé à se transformer en théorie de l'exploitation et que le mouvement ouvrier a commencé à mettre tout ça en pratique, c'est que l'exploitation, ça n'existe pas. Si le marché fonctionne comme il faut, tout le monde reçoit ce qu'il apporte. Personne ne vole personne. Encore une fois, si les travailleurs ne gagnent pas beaucoup, c'est parce qu'ils ne sont pas beaucoup utiles. Si Madame Bettencourt gagne beaucoup, c'est parce que le capital qu'elle apporte est extrêmement utile. Vous pouvez être pour, contre, trouver ça triste ou joyeux. Enfin, vous voyez, autant trouver que la loi de la pesanteur est triste ou joyeuse. Vous voyez, ça, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Voilà. Et donc le marché capitaliste libre, c'est la forme d'économie la plus juste, la plus efficace, la plus belle, celle qui s'en va sous les bras, etc., etc. Enfin bon, bref, c'est la forme absolument, sinon parfaite, enfin, si on l'a laissé devenir parfaite, c'est la forme parfaite qui assure, encore une fois, que personne ne vole personne, etc. Alors, il va de soi que cette théorie-là pose un certain nombre de problèmes. J'ai essayé d'en recenser quelques-uns. Je pense que le meilleur argument, Sylvain peut-être pas d'accord là-dessus, j'en sais rien, on en avait discuté une fois, mais le meilleur argument, le plus simple en tous les cas, le plus direct, c'est qu'elle est totalement invérifiable. C'est-à-dire que l'idée de dire que les prix dépendent de ce que les gens ont dans la tête,
fait que vous ne pouvez absolument pas vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, parce que personne ne sait comment mesurer ce que les gens ont dans la tête, sinon par les prix qui sont supposés en découler, vous voyez, donc c'est un truc qui se mord la queue, etc. Alors que la théorie de la valeur travail, même si ça pose des tas de problèmes statistiques, etc., elle est quand même vérifiable. Quand on vous dit le prix des marchandises dépend du temps de travail nécessaire à leur fabrication, vous pouvez avoir des statisticiens marxistes qui se plongent dans le truc pour essayer de voir si ça colle complètement, pas tout à fait, à peu près, etc. Or, la théorie de la valeur travail franchit, disons, assez et même très vite les différents tests. Alors, on ne trouve pas des adéquations à 100%, mais enfin, on trouve des adéquations quand même très très fortes. Alors qu'encore une fois, cette théorie-là, qui est dans toutes les universités du monde, hein, est présentée comme, alors, à part peut-être à Cuba, je ne sais pas, ou en Chine, enfin, tous les cas, dans le monde occidental, encore qu'en Chine, maintenant, ils arrivent à raconter des drôles de trucs en disant que c'est du marxisme. Mais, déjà avant, mais là encore plus. Comment dire, cette théorie-là est présentée comme la seule qui soit scientifique, digne d'être enseignée, etc. Et dans les cursus universitaires en France, vous avez, je ne sais pas, 98% de profs qui doivent se réclamer de ce truc-là, quoi, à peu près, hein, pour vous donner. Et dans les 2% qui restent, 98% qui sont vaguement keynésiens, pour vous situer. Keynes était un mec qui, à l'époque, ne se disait même pas de gauche, hein, et qui aujourd'hui passe pour un mec limite d'extrême gauche. Vous voyez que tout ça a quand même décalé d'un gros cran sur la droite. Hein, Alors, pour en revenir là, ce que j'ai essayé de montrer, c'est. Vous le saviez sûrement déjà, mais c'est à quel point les idées sur l'économie sont des idées politiques. Hein, et comment il y a deux grandes théories de la valeur, en réalité, hein, la théorie de la valeur travail et la théorie subjectiviste, même si ensuite il y a des sous-écoles, des ramifications et des détails, etc. Mais enfin, fondamentalement, il n'y a pas 50 options. Hein, c'est comme en philosophie, on est matérialiste, on est idéaliste. Hein, et il n'y a pas tellement de troisième voie. Ben, là, c'est un peu pareil. Et ben, comment les théories de la valeur sont des théories éminemment politiques sur qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes marchands, dans les phénomènes de l'économie capitaliste. Et selon qu'on réponde d'une façon ou d'une autre, bah, d'un côté, vous concluez assez rapidement que les revenus de la propriété sont faits de travail effectués gratuitement par les travailleurs et qui ne leur est pas payé, ce qui vous donne une certaine vision de la société. Et de l'autre côté, vous comprenez qu'au contraire, tout ça n'existe pas, en tous les cas quand le marché fonctionne parfaitement, et que les revenus de la propriété sont la légitime rétribution de gens qui apportent des choses utiles au fonctionnement de la société, et que ce serait vraiment dégueulasse de leur en priver. Personnellement, je serais assez pour faire des trucs dégueulasses, mais bon, je vais m'arrêter là.